Hop, salut tout le monde, c'est Alex. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma fameuse vidéo fac. En fait, il y a un mois j'ai publié une vidéo annonce pour ceux qui l'ont pas vue, qui expliquait voilà, que j'allais faire une vidéo fac et que je vous laissais un mois en fait pour me poser vos questions. Bon, c'est un phénomène qui se fait pas mal en fait sur YouTube, le fait de poser des questions, puis ça permet de faire interagir les lecteurs, enfin les. On va dire les abonnés et moi-même. Donc voilà, je vais répondre à vos questions en direct, enfin en quelque sorte. Alors, c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions. Il y en a beaucoup qui se répètent. Je vais faire un peu, je vais faire dans l'ordre. Hein. J'ai toutes les questions là qui sont notées sur mon téléphone. Alors, question de Big Bang. Salut, voici mes questions. Facecam, sinon pour quand? Alors, Facecam, c'est vrai que c'est une question qui est pas mal demandée. Alors, j'hésite pour plusieurs points. Je me demande si ça ajoute vraiment quelque chose dans les vidéos. Et bon, déjà, ça prend un peu de place quand même sur la vidéo en elle-même. Déjà que le YouTube est pas très grand, si en plus mettre une Facecam, bon, je sais qu'il y en a quand même pas mal qui le font. Moi, j'avais songé peut-être faire une Facecam un peu à la Naito 75 pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire en fondu, c'est-à-dire qu'on me voit à peine, en fait, on voit juste mon ombre. Ça, pourquoi pas. Mais le deuxième problème qui se pose, c'est que l'architecture de chez moi, enfin de ma chambre, là, en l'occurrence, ne permet pas trop de filmer en facecam. C'est-à-dire que je suis pas super bien placé, en fait. Du coup, j'ai pas beaucoup de place. J'attendrai peut-être d'avoir un appartement pour proposer des facecam. En tout cas, c'est pas pour de suite. Alors, tu t'appelles comment? Bon, ça, c'est très compliqué. Hein. Je m'appelle Jean-Claude. Non, je déconne, moi, c'est Alex. Voilà. Alors, tu habites où? Ben, j'habite en Haute-Savoie, pas loin d'Annecy. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer quelques abonnés et quelques personnalités, notamment Jojol67 sur YouTube. Il fait pas mal de vidéos de téléphone. J'ai eu l'occasion de le rencontrer par hasard à Quick, en fait. Voilà. Donc c'était bien sympa. Et tu as quel âge? Eh ben, j'en ai 21 et dans 2 mois j'en aurai 22. Voilà. Tu fais quoi dans la vie? Si oui, en quoi est-ce que tu travailles en dehors de YouTube? Si tu fais quoi comme travail? Alors, oui, alors effectivement je travaille en dehors de YouTube, je suis à la fois étudiant. En fait, je suis un petit peu ce qu'on appelle alternant. C'est-à-dire que je travaille à 35 heures par semaine et puis pendant 4 heures par semaine, voire plus. L'année dernière, j'étais en alternance hein, pendant 2 ans en fait. Donc je travaillais 4 heures par semaine. Là, cette année, j'ai fini cette période-là, mais je travaille toujours chez moi, c'est-à-dire j'ai des cours à distance en plus pour faire des formations, pour compléter, parce que je suis technicien administrateur de réseau. Donc en gros, j'administre tout ce qui est réseau dans les entreprises, dans les écoles, communautés de communes, mairies, etc. À côté de ça, je suis aussi technicien atelier informatique simple, hein, donc réparation d'ordinateur, panne logicielle en tout genre, voilà, panne matériel, panne logiciel. Donc je fais un petit peu tout ça. Et donc pour augmenter mes compétences à côté du travail, ben, je continue des petites formations. En vue de, bien entendu, ben, éventuellement d'avoir un poste plus important ou d'avoir un salaire plus important, c'est surtout ça. Donc voilà, ça m'aide à compléter et puis avancer dans ma carrière. Voilà. Donc c'est tout. Je fais ça à côté de YouTube. Et c'est vrai que ça prend du temps. YouTube me prend pas tant de temps que ça, mais c'est vrai que préparer la vidéo, faire le montage, etc. Il faut y consacrer un certain temps. Il y a des soirs, c'est pour ça que je fais pas tout le temps des vidéos. Parce qu'il y a des soirs où je préfère réfléchir à un cas éventuellement que j'avais au travail, un cas qui n'est pas forcément résolu, que je continue de réfléchir chez moi. Il y a des choses comme ça. Et puis à côté de ça, il y en a qui le savent, je développe avec mon père une application iPhone. Enfin, moi personnellement, je ne développe pas, c'est plus mon père qui développe, mais moi je m'occupe de la communication, je m'occupe de résoudre les bugs, enfin, voilà, de noter ce qu'il faudrait améliorer, etc. Donc justement, il y a aussi ça qui prend du temps. Bref, j'ai de quoi m'occuper. Voilà.
Alors, tu habites où en France et tout chez tes parents? Alors, pour l'instant, bah, je t'ai dit, j'habite en Haute-Savoie, du côté d'Annecy. Je suis encore chez mes parents pour pas longtemps. En fait, j'attends juste d'avoir suffisamment d'argent pour payer mon appartement. Parce que là, bon, actuellement, j'ai pas suffisamment d'argent pour être capable de payer un loyer à moi tout seul. Donc, même chose, j'attends d'évoluer au niveau de ma carrière pour avoir un salaire plus important et pour pouvoir me prendre un appartement à moi tout seul, sûrement dans Annecy. Voilà. Pourquoi Dark Alex? Alors, c'est vrai que ça remonte à un certain temps. Je suis appelé Dark Alex parce que, bon, déjà, j'aimais bien le pseudo. Je savais que c'était un hacker PSP, mais il s'était fait un peu oublier. Donc, je me dis, bah, il s'est fait oublier, son pseudo est nulle part. Donc, du coup, j'ai un peu repiqué son pseudo, si on peut dire. Et voilà, je me suis appelé Dark Alex parce que j'avais pas trop d'idées. En fait, j'ai jamais eu vraiment d'idées pour les pseudos. Quand vous regardez même mon pseudo pour la Play, c'est de la merde. C'est Alex tiré du bas 74 774. C'est même pas mon vrai code postal. C'est de la merde que j'avais choisi. En fait, à l'époque, je m'en foutais, quoi. Je voulais juste un pseudo pour jouer en ligne. Et puis, bah, j'ai jamais pu le modifier, alors j'ai gardé le même. Voilà. Et puis voilà, c'est pareil pour Dark Alex, je trouvais ça sympa. C'était un petit côté dark, un petit côté, voilà, un petit côté Alex, c'était sympa. Ensuite, parle-moi de l'avenir de ta chaîne. Alors, pour ma chaîne, j'hésite encore, c'est-à-dire que, bon, les vidéos, jeux vidéo vont continuer, hein, ça, il n'y a pas de souci, je vais continuer à vous produire des vidéos de jeux, que ce soit des démos, des bêtas, des vidéos à plusieurs, ça c'est vraiment cool, franchement, de faire des vidéos à plusieurs, j'apprécie de plus en plus, ça rend vraiment bien avec Skype. Et bah d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, un de ces quatre, de faire une vidéo, vous pouvez me suivre sur Twitter. Et puis de temps en temps, je demande, je dépose un appel. Alors moi, je suis un peu à la dernière minute, hein. C'est-à-dire que généralement, je prévois le matin, je dis, tiens, j'ai commandé ce jeu, est-ce que ça vous dit de le faire ce soir en vidéo? Voilà. Donc ceux qui sont là, à l'heure, ben voilà. Ce sera cool de faire une vidéo. Et puis ben, ceux qui peuvent pas, ben, c'est pas de chance, ce sera une autre fois. Mais voilà, c'est quand même vachement bien de faire des vidéos à plusieurs. Je pense que je vais continuer d'en faire. Concernant l'avenir de la chaîne, dans un avenir plus ou moins proche, j'espère vous uploader des vidéos tout en 1080p et beaucoup plus rapidement. Ça, ce sera quand j'aurai mon appartement, avec, je l'espère, la fibre optique. Pour l'instant, je suis chez moi, je suis en ADSL. Pour ceux qui connaissent, bref, j'envoie même pas un méga par seconde. Je suis obligé d'utiliser mon téléphone en partage de connexion afin d'envoyer deux fois plus vite en 3G. Pour vous dire un peu la connexion de merde que j'ai en ADSL pour l'envoi des vidéos. Donc pour l'instant, on va dire que ça ne va pas bouger, je suis obligé de mettre en 720p, sinon je mets plus de nuit pour l'envoyer. Voilà. Et donc je réfléchis toujours à d'autres façons de présenter éventuellement mes vidéos. Je veux dire par exemple peut-être rajouter la facecam qu'on parlait au début. Ça peut être sympa, peut-être rajouter d'autres petits types d'effets. À voir, faut que je prenne le temps de gérer un peu plus mon logiciel de montage. Pour l'instant, moi, enfin Sony Vegas, je le maîtrise un peu de manière basique. Les textes, tout ça, voilà, les transitions, mais je sais pas faire plus. Les montages photos de mes miniatures, c'est même pas moi qui ai fait, c'est un pote. Donc je maîtrise vraiment de manière basique le plus simple, voilà. Mais voilà, mon objectif c'est toujours de faire de plus en plus de vidéos sur ce qui sort. J'essaie au maximum. Même si moi je me force pas à faire une vidéo. S'il y a des jeux comme Metal Gear, c'est pas mon type de jeu. Ben, vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo parce que voilà, ça m'intéresse pas trop. Et puis après, ben, de toute façon, ça se ressent dans une vidéo. Quand généralement quelqu'un aime pas trop le jeu, ça se ressent. Donc c'est pas super intéressant voilà, de produire une vidéo dessus. Donc j'évite, je fais vraiment des vidéos sur ce que j'apprécie, et donc particulièrement les jeux de course. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu peux faire un let's play sur un jeu que tu aimes. Alors, les let's play, pourquoi pas? Un de ces quatre, on m'en avait demandé sur Until Dawn, j'ai dit que j'avais pas trop le temps, parce que c'était une période où voilà, c'était la rentrée, et moi, à la rentrée au travail, vu qu'on travaille beaucoup avec les communautés de communes et les écoles, et ben c'est la rentrée, il y a des choses à préparer, il y a beaucoup de taf, donc le soir je suis un peu crevé, j'ai pas forcément envie de faire du let's play. Et puis bon, c'est pareil, chez moi je suis un peu chez mes parents, donc bon,
j'ai pas forcément le calme tout le temps pour faire des vidéos. Donc bon, un let's play, ce sera prévu. Je sais pas trop sur quoi je le ferai. Mais ce sera prévu, j'en ferai sûrement plusieurs aussi. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a des fois, je joue beaucoup en solo, parce que je reste pas mal quand même sur la play aussi, donc pourquoi pas filmer en même temps. Donc voilà, ce sera prévu, sur quel jeu, je sais pas, il y aura des jeux, de toute façon d'ici la fin de l'année, je m'en ferai bien, peut-être sur Guitar Hero, à voir, ça peut être sympa. Et quel jeu tu entends? Bah voilà, c'est ce que je viens de dire, peut-être Guitar Hero, peut-être essentiellement des jeux solo, parce que bon, quand on fait un let's play, c'est bien de le commencer, de le terminer. Donc à ce moment-là, pourquoi pas faire un vrai jeu solo. Bon, il y a une Uncharted Collection qui arrive en fin d'année, mais bon, ça tout le monde le connaît. Je vois pas trop l'intérêt de faire un let's play. Par contre, bah, on verra en fonction des jeux qui arrivent. Voilà. Et en fonction du temps que j'ai. Alors ensuite, les questions de Gita Lalou. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Où tu habites? Ben, je l'ai dit, donc en Haute-Savoie, du côté d'Annecy. Donc vous voyez la Suisse, c'est juste à côté. J'habite à 1 heure en fait de Genève. Quels sont les jeux que tu attends le plus pour cette fin d'année? Alors pour cette fin d'année, il y en a pas mal. Il y a tout sur Amazon, il y a tout qui est précommandé sur Amazon. Mais j'attends pas mal, bon c'est bête à dire, mais l'Uncharted Collection, ça fait longtemps que je me suis pas remis sur Uncharted. Et là j'attends vraiment, même si c'est pas un vrai jeu. J'attends beaucoup le Guitar Hero, parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, et surtout sur une nouvelle console, ça peut être sympa. Surtout que j'ai beaucoup de potes qui le prennent, donc voilà, même si vous le prenez, n'hésitez pas à me le dire sur Twitter éventuellement, ou dans les commentaires de cette vidéo. Et puis bah, j'essaierai de vous rajouter, ou vous pouvez directement me demander en ami, moi j'accepte quasiment tout le monde, il n'y a pas de souci de ce côté-là, et puis pourquoi pas jouer ensemble. Il y a, qu'est-ce qui sort en fin d'année? Il y a le Need for Speed que j'attends énormément, ça le Need for Speed, je sens que je vais surkiffer, c'est vraiment, de toute façon vous me connaissez, les jeux de course, je surkiffe. Il y a le Just Cause 3 que moi j'avais bien aimé le 2, le 3 je l'attends pas mal, pas plus que ça, mais je l'attends quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui sort en fin d'année? J'ai plus trop le calendrier là en tête. Le Call of, j'avais bien aimé jouer à la bêta, après j'attends pas particulièrement le jeu. Même si bon, il y aura peut-être, je crois que celui-ci, il y a le bot zombie, donc c'est à voir. Je vais peut-être reprendre ma liste carrément, en fait moi c'est sur Amazon. J'ai toute ma liste de jeux qui est directement prédéfini. Je sais pas si je peux vous la sortir là directement en live sur mon téléphone. Voilà, en fait moi je précommande tout et puis après ça arrive quand ça arrive. Je regarde de temps en temps, je vois, je vais dans filtrer les commandes, commandes en cours. Je regarde, tiens, hop, qu'est-ce qui va sortir ce mois-ci. Alors il y a Sébastien Lebralievo, que ça peut être sympa à essayer, après je l'attends pas particulièrement. Il y a le prochain Ratchet & Clank, que j'attends bien, parce que moi j'adore Ratchet & Clank. Bon, il sort pas en cette fin d'année. Hein. Il y a Trackmania Turbo, ça peut être cool. Je sais que sur PC, il est super sympa à faire, il y avait des niveaux et tout. Là en plus, je crois qu'il y a un éditeur de niveau sur celui-ci aussi, sur PS4. Donc il sort le 26 novembre, et ça peut être vraiment vraiment sympa. Y jouer. L'année prochaine, bah, y a Uncharted 4 que j'attends, ça c'est sûr. Mais bon, ta question c'était en fin d'année. En fin d'année, il y a le Star Wars Battlefront. Voilà, je savais que j'en avais oublié un. Le Star Wars Battlefront, j'attends vraiment beaucoup de cet épisode. Parce que tout simplement, bah, c'est Star Wars. Et puis Battlefront, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un. Donc j'attends beaucoup de cet épisode, même s'il est que multijoueur, donc ça part mal. Après, bah, si c'est sympa en multi, pourquoi pas, hein. Et puis bon, Guitar Hero Live, je l'ai dit. Et puis c'est à peu près tout pour cette fin d'année. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a beaucoup qui sont reportés. J'ai hésité à prendre le Rock Band aussi, mais bon, je me dis, le Guitar Hero plus le Rock Band, ça va faire un peu trop. Ça va faire, non seulement ça va faire cher, et puis ensuite, vu que les touches de Guitar Hero sont plus les mêmes cette année, je risque d'être vachement perturbé si je passe de Guitar Hero à Rock Band au niveau des touches, ça risque d'être compliqué. Et je crois pas que toutes les manettes soient compatibles. Enfin toutes les guitares, donc pour l'instant j'ai opté pour Guitar Hero, qui va faire, qui pour le coup présente une grosse nouveauté cette année, donc le changement de la guitare et puis cette vue FPS qui a l'air sympathique, on verra tout ça. Voilà,
Alors, qu'est-ce qu'on lui montrer? Voilà. Peux-tu nous montrer ta tête? Alors, bah, ce sera pas sur cette vidéo. J'en ai déjà fait une, je crois. C'était sur le rallye des bornes. J'en ai déjà fait une ou deux où je montrais ma tête, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que, bah, j'ai la flemme. Moi, je préfère faire la vidéo directement comme ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos sur YouTube? Alors, moi, c'est tout simplement l'aspect partage. Moi, je voyais à un moment donné, je regardais beaucoup de vidéos sur internet de gens qui faisaient des découvertes. Youtubeurs connus ou pas, hein, je regardais un peu de tout. Et c'est des gens qui avaient la chance d'avoir beaucoup de jeux vidéo, mais qui montraient pas forcément tout ce que j'attendais. Et puis là, maintenant, moi, j'ai la chance de pouvoir m'offrir, entre guillemets, ou m'acheter des jeux. J'achète tout, hein, on m'envoie rien. J'ai la chance de pouvoir les tester et je me dis qu'il y en a qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir les tester directement dès la sortie, mais qui veulent avoir un avis. Moi, j'ai toujours préféré avoir un avis de youtubeurs que de gars genre jeuxvideo.com ou autres, les gars de la presse qui, on le sait très bien, sont plus ou moins payés pour gérer la note des jeux. Moi, je préfère, voilà, avoir un avis en vidéo. Du coup, je trouve ça bien plus sympa, un avis par des joueurs et pas des gars qui sont de la presse, qui sont payés entre guillemets, même si bon, ils sont un peu joueurs aussi de leur côté, mais nous, on n'est pas forcément payés. On a notre propre avis, si on a envie de clasher le jeu, on clash le jeu. Et donc voilà, j'ai voulu faire partager mes impressions sur des nouveaux jeux, les jeux que les gens ne peuvent pas acheter directement. Et puis pour informer, il y a des fois il y a des bêtas, les gens sont même pas au courant qu'elle sort, des fois ils sont pas au courant comment la voir. Donc c'est toujours sympa de ce côté-là. Voilà. J'aime bien tes vidéos, continue comme ça. Et ben merci bien. Ensuite, question de Tiger, comment tu as commencé YouTube? Alors je sais pas trop comment interpréter ta question. Tu dis comment à quelle époque ou avec quel matériel, ou pour ça c'est un peu compliqué d'interpréter ta question. J'imagine que ta question est tournée dans le sens au niveau, comment dire, si tu veux dire, je pense sur un coup de tête ou sur à quel moment, qu'est-ce qui m'a décidé de commencer ma chaîne YouTube. Et ben c'est justement ça, c'est à un moment donné, j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent. Je me dis, bah tiens, je vois beaucoup de gens qui font des vidéos, casse-toi la mouche. Qui font des vidéos, je me fais agresser par une mouche. Qui font des vidéos comme moi, et je me dis, bon, bah, ça coûte pas trop cher. Un petit, à l'époque, c'était le HDPVR. Ça suffisait. Et puis j'ai commencé, je crois que ma première vidéo, c'était sur un appareil photo. Bon, elle est plus sur ma chaîne YouTube parce que ben, j'ai fait le con avec Google. J'ai voulu supprimer mon compte Google+. Du coup, ça a supprimé les trois quarts de mes vidéos que j'ai jamais pu remettre. C'est pour ça que ça commence à Resident Evil, mes vidéos. Pourtant, ça fait 4 ans que j'en fais. Bref, c'est con parce que j'avais des vidéos sympas. J'ai jamais pu les remettre. Et du coup, bon, voilà, j'ai continué comme ça, pareil. Mais pour revenir à ta question, voilà, quand j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent, je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer les vidéos. Et puis j'ai vu qu'on pouvait les monétiser. Alors, j'avais une soixantaine d'euros par an. À l'époque, d'ailleurs, c'est toujours un peu le cas. Je me disais, voilà, ça pouvait servir à m'acheter un jeu par an ou deux jeux par an éventuellement pour la chaîne, voilà, pour le découvrir en avant-première, parce que c'est moi qui me débrouillais à acheter mes jeux avec un petit peu l'argent de YouTube de temps en temps, même si, comme je vous dis, ça me rapportait pas grand-chose. Et bon, maintenant, vu que j'ai mon travail, j'en ai plus rien à foutre de gagner de l'argent. Je gagne grâce à mon travail. Ça suffit pour me payer les quelques jeux. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et puis de fil en aiguille, au fur et à mesure des années, j'ai amélioré mon matos. J'ai acheté un gros micro. J'ai acheté, bah, le Yeti Blue. J'ai acheté un AVerMedia pour enregistrer directement sur un disque dur et pas sur le PC directement, parce que je trouvais ça chiant. Donc voilà, j'ai amélioré mon matos, j'ai acheté une nouvelle télé, j'ai acheté la PS4, de quoi faire des vidéos. Voilà. Alors, quel est ton youtubeur préféré? De Eloilave123, je sais pas trop si ça se prononce comme ça, ou Eloilave, tu me diras comment ça se prononce. Quel est ton youtubeur préféré? Alors, mon youtubeur préféré, j'en ai pas un seul en fait. Disons que j'en ai plusieurs et j'aime bien regarder
comment ça s'appelle, beaucoup de chaînes techno. Il y a 01net que j'aime bien. Après, comme youtubeur gaming, j'aime bien Naito75. Après, j'aime pas mal regarder des potes aussi. Et puis, bon, il y a eu Diablo X9 quand il avait changé sa période Call of. J'aimais bien regarder ses reportages. J'aime beaucoup regarder les reportages. Il y a Monsieur Coty que j'aime bien. Tous ceux qui font des reportages de vidéos, choses comme ça. Après, c'est vrai que je regarde pas beaucoup les découvertes des autres, étant donné que bah, j'ai souvent moi-même le jeu. Donc, du coup, je regarde plus trop les vidéos découvertes des autres. Mais voilà, je suis essentiellement ces personnes-là. Mister B-Boy aussi, de temps en temps, je regarde. Mais pas beaucoup, parce que comme je vous dis, dès qu'il publie une vidéo d'un jeu que j'ai déjà, je la regarde pas, ça sert à rien parce que j'ai le jeu. Donc je vais pas, entre guillemets, perdre du temps, même si c'est pas une perte de temps, et des fois c'est marrant, mais voilà, c'est des youtubeurs que j'apprécie bien. Alors ensuite, question de Vortex. Penses-tu te diversifier dans les types de vidéos que tu proposes, délire, let's play ou autre? Et pourquoi cette passion pour Sony? Alors, me diversifier dans les types de vidéos, j'y réfléchis encore. C'est vrai que j'ai changé un peu. À une époque, je faisais pas mal de tests. Maintenant, je fais pratiquement plus que des découvertes. Mais je pense, pourquoi pas, reproposer des rendez-vous online. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais songé à en refaire. Et puis bon, j'avais pas eu trop de temps. Mais pourquoi pas proposer des replays de rendez-vous online, c'est-à-dire que ben voilà, je fais une annonce, je fais une vidéo pour organiser un rendez-vous, les personnes s'inscrivent, puis après j'enregistre le tout, et puis je fais un petit replay, un petit mix. Et ça, c'est vrai que c'était sympa à l'époque. Il faudra que je reprenne un peu de temps pour refaire ça. Il faut surtout des jeux multijoueurs sympas. Pour l'instant, on n'en a pas BZ sur PS4. Et sur PS3, c'était mal foutu sur les trois quarts des jeux pour s'inviter, c'était le bordel. Là, on a le mode party qui est quand même vachement cool sur la PS4. Bon, j'ai pas encore trop trouvé comment enregistrer dessus. Mais voilà, je pense faire des vidéos de ce côté-là, plus pareil côté communauté, histoire de faire toujours interagir la communauté avec, ben avec moi et puis ben, tout le monde, quoi. Tous ensemble. Moi, je trouve ça sympa, voilà, de se retrouver pour jouer, découvrir les jeux ensemble. Voilà. C'est tout cet aspect, donc je pense faire ça. Et puis, comme j'ai dit avant, quelques let's play, pourquoi pas. Et pourquoi cette passion pour Sony? Alors, j'ai toujours apprécié Sony. En fait, au tout début, j'ai failli acheter une Xbox 360 à l'époque où j'avais encore la GameCube. J'ai failli acheter une 360 parce que j'avais pas mal de potes qui l'avaient. Et puis à l'époque, bon, j'avais pas l'argent pour m'acheter une console. Et vu que la PS3 faisait lecteur Blu-ray, et ben mon père avait acheté la PS3. Et du coup, ben, je suis resté sur cette console. J'ai commencé à acheter GTA 4, après du MotorStorm. J'ai acheté, ben, de fil en aiguille, j'ai acheté tous mes jeux dessus. Et puis bon, maintenant j'en ai une sacrée grosse collection. Pour ceux qui connaissent, j'en ai un sacré paquet. J'en ai plus de 300 quasiment, je crois, sur PS3. Sur PS4, ouais, je dois approcher de la centaine, pas loin. D'ailleurs, je pense, ce serait pas mal de faire des vidéos comme ça, un peu à la Kirby 54 pour ceux qui connaissent, des vidéos sur ma collection. Même si, bon, moi, c'est essentiellement concentré Sony, mais c'est vrai que je commence à en avoir un paquet. Je pourrais faire des vidéos aussi sur mes achats du jour, à voir si ce serait intéressant ou pas. C'est vrai que j'achète des jeux assez régulièrement. Des petits jeux en occasion, des petites trouvailles sympas. Je fais pas des vide-greniers, hein, mais des fois, je trouve sur Internet des affaires sympathiques. Voilà. Et donc je sais même plus la question que tu me disais. Oui, voilà, cette passion pour Sony, ben c'est pour ça, de fil en aiguille, je suis resté sur la PS3, je me suis fait les potes sur PS3. Donc du coup j'avais pas envie de changer, de trouver, de tout recommencer, de changer les amis pour aller sur une autre console, au final recommencer les trophées, recommencer éventuellement la progression dans les jeux, machin. Bah, c'est un peu relou, voilà, moi quand j'ai commencé un jeu sur une console, je garde sur cette console. Et puis bon, j'avais tous mes jeux sur cette console, tous mes potes sur cette console. Si je voulais prêter des jeux, c'était sur PS3, parce que mes potes avaient la PS3. Pareil au début, beaucoup de potes sont mis à avoir la PS3. Donc voilà, du coup je suis resté sur PS3. Et puis après, la PS4 est sortie. Elle coûtait 100 euros moins cher. Elle avait l'air vachement intéressante au niveau des fonctionnalités. Il y a les licences PlayStation qui sont quand même super cool. Uncharted, j'en passe, il y a Heavy Rain.
On a plein, il y a MotorStorm, et on a plein de licences intéressantes sur, sur PSK. Je dis pas que sur Xbox 360 ou One, il n'y en a pas. Il y a toujours le Forza qui me tente grave. La Xbox One, j'hésite à me l'acheter. J'attends qu'elle baisse un peu, mais c'est sûr, à un moment donné, je vais craquer et je vais l'acheter. Peut-être pour Noël, je sais pas. Parce que y a quand même des jeux, moi j'adore les jeux de caisse et le Forza il est vraiment bon, je l'ai essayé à Micromania, il est franchement bien, même si le Drive Club sur PS4 se défend bien. Donc voilà, pourquoi pas, je pense. De toute façon on m'a donné la Xbox 360, c'est un collègue en fait à mon père qui au travail lui a dit ben si tu veux je te donne cette Xbox, j'en ai plus rien à faire, moi j'ai la Xbox One, je m'en sers plus. Ben voilà, il a récupéré, puis du coup il me l'a donné. Donc du coup j'ai une Xbox 360 première du nom, celle qui est même pas HDMI, je m'en sers même pas à part pour Guitar Hero qu'on m'a donné avec. Donc voilà, je m'en sers juste pour ça. D'ailleurs elle est même pas dans ma chambre, elle est au salon. Mais ça peut servir, ça peut toujours servir un de ces quatre. Voilà. Ensuite, question de Zerpak. Pourquoi tu ne montes jamais ta tête dans les vidéos? Ben comme je l'ai expliqué, il faut que je m'organise, j'ai pas de caméra spéciale, ou alors il faudrait que je me prenne un trépied pour filmer avec l'iPhone, mais il a jamais assez de place, ce con. C'est compliqué. En plus, avec l'architecture de ma chambre, soit vous allez me voir en très gros, soit super loin. Parce que moi, en fait, je suis très près de ma télé. Ce qui fait que si je mets une caméra pas loin de la télé, bah vous allez me voir, vous allez voir en très gros, vous allez voir, je sais pas, juste mes cheveux ou juste mon front. Bref, ça va pas être top. Donc il faut que j'organise ça, que je trouve un truc pour éventuellement, j'ai l'impression que ça vous tanne pas mal de voir ma tête. Pourtant, moi ce que je pense c'est que c'est les vidéos qui sont plus intéressantes. C'est vrai qu'avec ça vous pourriez me reconnaître éventuellement dans les salons, ou des choses comme ça. D'ailleurs je vais à la Paris Games Week pour ceux qui y vont. Je vous laisserai pareil si vous y allez. Vous pouvez me dire quel jour vous y allez sur Twitter. Moi je communique énormément sur Twitter et puis je vous dirai tout ça. Voilà. Qu'en penses-tu des jeux PS Plus du mois de septembre? Alors les jeux PS Plus du mois de septembre, ça commence à faire un bail. Quoique non, c'est ceux actuellement. Je crois qu'il y a... il y a Gros Home, voilà, bon Gros Home, ouais ça a l'air sympa, mais les jeux PS Plus c'est quasiment tout le temps de la merde. On nous offre, faut dire ce qui est, hein. Sur PS4 en tout cas c'est tout le temps de la merde. On nous offre des petits jeux gratuitement, mais moi j'y joue même plus. J'y joue même plus parce que j'ai les autres jeux à côté qui sortent en ce moment, je suis sur Mad Max que je surkiffe, j'ai acheté le Diver, enfin... Les jeux auxquels je vous fais des découvertes, après ben, je passe pas mal de temps à y jouer dessus, il y a Tear Away. Donc je prends pas le temps d'y jouer, je sais que c'est des petits jeux, il y avait juste le seul jeu PS Plus qui m'a marqué, qui était juste super bien, c'est Rocket League. Rocket League, qui est vraiment franchement un jeu, je me suis pris des barres avec, j'ai enregistré un Twitch, mais dommage la qualité était dégueulasse, ben, d'ailleurs il est sur ma chaîne YouTube. Mais on s'est vraiment éclaté, tout le monde jouait à ça en plus parce qu'il était gratuit. Même encore maintenant, il y a des gens où il est passé payant le jeu, il coûte une vingtaine d'euros. Et même encore maintenant, il y a des gens qui l'ont acheté, qui jouent encore, qui me proposent de jouer encore en partie avec eux. C'est vraiment un jeu que je surkiffe. Pourtant, je suis pas trop jeu de foot et tout, mais là, ça allie un peu jeu de foot et puis voiture un petit peu télécommandée à la Revolt, pour ceux qui connaissaient sur PC. C'est franchement sympa, c'est super fun à jouer en ligne. Donc voilà, bon, je vais peut-être désactiver les notifications de Facebook, ce serait bien. Donc c'est super cool, donc il y avait juste ce jeu-là qui m'a marqué, mais pour les jeux PS Plus de septembre, c'était un peu de la merde. Voilà. J'attends un de ces quatre qui nous offre un vrai jeu. Ensuite, question de Fouad Olagoun. Je sais pas trop comment ça se prononce non plus, vous avez ses pseudos les gars. Alors, quels sont tes youtubeurs? Quels sont les youtubeurs avec lesquels tu vas faire des vidéos prochainement? Alors, en fait, c'est pas trop des youtubeurs en général, c'est un peu des potes, n'importe qui, tous ceux qui me proposent. Moi, je suis pas trop du genre à les tester avant, je fais la vidéo, et puis on voit comment ça se passe. Généralement, enfin, jusqu'à présent, ça s'est très bien passé. Les gens, ils ont été respectueux, ils sont sur Facebook, on rigole bien, enfin, sur Facebook, sur Skype, je veux dire. Parce que j'enregistre sur Skype en fait, donc on rigole bien, ça se passe bien, donc il suffit de me contacter sur Twitter, ça peut être un youtubeur, ça peut être un gars ordinaire, ça peut être n'importe qui,
J'ai déjà eu l'occasion de faire des vidéos avec des gens qui étaient même pas en France, qui étaient dans les Antilles ou je ne sais où. Je me souviens même plus de son pseudo, mais il se reconnaîtra. Ou à Tahiti, je sais plus. Bref, voilà, j'ai déjà eu l'occasion de faire des vidéos avec des gens qui sont même pas en France, ça s'est très bien passé. Donc voilà, pourquoi pas. Il suffit de me suivre sur Twitter. Je publie tout le temps systématiquement quand j'ai envie de faire une vidéo. Et des fois, ça peut être en semaine, ça peut être en week-end, n'importe quand. Je dis tiens, je vais faire une vidéo là-dessus. Bon, il faut que le jeu soit multijoueur, bien entendu. Mais voilà, je dis ben, tiens, je vais faire une vidéo sur ce jeu-là. Si ça vous intéresse, ben voilà, je vous donne mon pseudo et puis vous me dites si ça vous intéresse. C'est tout. Donc j'ai pas trop fait de vidéo avec à part Morgan là, j'ai fait une vidéo avec lui il y a pas si longtemps. Avec qui j'avais fait des vidéos. Il y en a qui ont arrêté YouTube, je sais. Mais j'ai jamais fait de vidéo avec de gros youtubeurs. J'ai pas voulu faire la grosse promo. À un moment donné, j'étais assez proche de Monsieur Coty, je l'ai connu au lancement, j'aurais pu faire des vidéos avec lui, c'est vrai. Mais à cette époque-là, c'est pareil, j'ai pas trop le bon matos pour enregistrer et j'ai peut-être un peu loupé l'occasion. Mais pourquoi pas refaire avec. Faire une vidéo avec Monsieur Coty NC4 s'il se souvient de moi. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Voilà, moi je l'ai connu à ses lancements. Ensuite, question de Dark Nator, qui a un 4 à la place du A. Vas-tu répondre à ma question? Bah oui. Quel âge as-tu? Ben, je l'ai dit 21, et puis dans quelques jours, fin novembre, j'aurai 22. Quel est ton sport préféré? Alors moi, déjà, le sport, j'aime pas, de base. Bon, de toute façon, je suis un gamer, hein, donc j'assume. Après, j'aime bien le ping-pong. Je surkiffe le ping-pong. À une époque, j'ai fait du tennis. J'aimais bien aussi, c'était dans mon village, donc du coup, c'était un petit club de tennis, on n'avançait pas beaucoup. Je trouvais que j'étais resté 2-3 ans, je trouvais qu'on voilà, on n'avançait pas, on progressait pas. On faisait tout le temps la même chose. Bon, certes, c'est vrai que ça reste du tennis, hein, mais je sais pas, on aurait pu évoluer, affronter des personnes plus évoluées, machin, enfin bref. J'ai trouvé que voilà, ça restait là, alors que le ping-pong, franchement, j'aime bien. Et puis bon, le foot, j'aime bien y jouer, mais quand je suis avec des cousins ou quand je suis avec des potes, de temps en temps, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas eu l'occasion de m'en faire. Voilà. Et GG pour tes 12 000 abonnés. Et oui, c'est vrai. Ben, je vous remercie pour les 12 000 abonnés. C'est sympa à vous. Voilà, c'est vrai que depuis que j'ai commencé la chaîne, ça a pas mal évolué. Et puis, j'espère que ça continuera. Ensuite, question de WinWarXW. Quel est le premier jeu que tu as eu le plus de fun? J'imagine que c'est le... Je reformule ta question, c'est quel est le premier jeu où tu as eu le plus de fun ou quelque chose comme ça. Alors, le jeu où j'ai le plus de fun, c'est vrai que ça remonte. Ça remonte à longtemps, mais je pense que je vais répondre Rocket League. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu un jeu où je me suis autant amusé. Même sur PS3, il y a eu quelques jeux fun. Little Big Planet, Moon Nation Racer, des petits jeux genre Mario Kart. Mais il y a eu Sackboy, le jeu pareil qui ressemble à Mario Kart aussi, Sackboy Run ou quelque chose comme ça. Non, ça c'est l'épisode PS Vita, je me trompe. C'est un jeu de cartes avec le Sackboy de Little Big Planet. Ouais, Little Big Planet Karting, voilà, je me souviens. Celui-là, c'était sympa aussi, je suis un peu amusé dessus. Mais là, vraiment, le jeu où j'ai vraiment kiffé, où c'est vraiment amusé en ligne, on a joué des heures et des heures, c'est Rocket League. Je vous dis encore, j'ai pas fait tant de vidéos que ça, j'en ai fait qu'une d'ailleurs, mais je surkiffe ce jeu, j'adore trop, c'est sympa. C'est franchement, c'est de l'éclate en ligne, je vous le conseille. Ensuite, question de Bay d'anglais. Quels sont les jeux que tu attends le plus pour la fin de l'année 2016 pour l'année 2016, pardon. Et penses-tu que tu nous présentes d'autres produits technologiques, smartphones, etc. Alors, les jeux que j'attends pour 2016, j'ai déjà un peu répondu. Il y a du Uncharted, il y a du... comment s'appelle, The Division. Il y a peut-être le prochain BF que j'attends pas mal. Donc voilà, c'est ce genre de jeu que j'attends franchement, c'est les plus connus. Le prochain Dead Island aussi, s'il sort un jour, pourquoi pas. Voilà. Et que je présente des autres produits technologiques, alors oui, ça pourquoi pas. Je pense que j'ai de plus en plus dans la même chaîne, parce que j'ai pas envie de faire 6000 chaînes différentes. J'en avais créé une à une époque,
mais bon, c'était trop casse-pied, je faisais pas beaucoup de vidéos. Alors, faire une chaîne à part pour 4 vidéos par an, c'était pas terrible. Donc, du coup, ben, là, vous l'avez vu, j'ai fait des vidéos sur l'iPhone. Voilà, je présenterai des produits technologiques, des achats que j'achète, des casques, pourquoi pas des manettes, des consoles, d'autres téléphones éventuellement, pourquoi pas si j'en achète d'autres. Je serais peut-être amené à acheter des téléphones Android histoire de tester ben, l'application qu'on développe avec mon père. Donc pourquoi pas. Et puis ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas faire ce genre de vidéo. Un ordinateur, j'en sais rien. Une barre de son, une télé. Je pense que je vais m'acheter une télé dans pas longtemps. Donc à voir. À voir. Je pense que peut-être je vous ferai un déballage. Certes, une télé, c'est pas simple forcément à présenter parce que c'est juste énorme. À voir. Mais voilà, c'est prévu et c'est en cours. Vous l'avez vu, il y a déjà deux vidéos sur l'écran. Alors, question de Yampar. Comment es-tu entré dans le monde des jeux vidéo? Par qui? Sur quel support? Et sur quel jeu? Alors, ça, c'est vrai que ça remonte beaucoup. Alors moi je suis entré dans le monde du jeu vidéo à l'époque en fait c'était sur PC parce que j'avais pas de console, mes parents voulaient pas de console. Ils ont été toujours assez réticents. En fait il faut savoir que ma première console c'était la GameCube et je l'ai eu à la période où la Wii sortait, donc je suis pas resté longtemps dessus. Après j'ai eu la PS3 ben, pour la raison que je vous ai expliqué. Et puis bon après PS4 etc. Mais voilà, au tout début c'était sur PC, j'avais un PC, c'était un peu une grosse bouse. Alors en plus j'avais pas trop d'argent pour m'acheter des jeux, donc le peu que j'achetais c'était des petits jeux à 10 €, des jeux stratégie genre Cossacks, Age of Empires, tout ça, je jouais bien à ce genre de jeu. Et puis j'avais les quelques jeux de mon père ou les démos de mon père de l'époque, il y avait du Tomb Raider, il y avait du Descent pour ceux qui ont connu, il y avait du Moto Racer, il y avait du Need for Speed, j'avais le Need for Speed, je crois que c'était le Hot Pursuit. Donc voilà, je jouais à ça sur PC et franchement j'en ai gardé des bons souvenirs et je continue à jouer à ces licences, à Tomb Raider, à Need for Speed, Descent, peut-être qu'il y aura un reboot. Et Cossacks sur PC, il parlait d'une nouvelle extension, Cossacks ou Age of Empires ou Age of Mythology pour ceux qui connaissent, tous ces jeux de stratégie, ou American Conquest que je surkiffais, on pouvait faire des tas d'unités et des bateaux et tout. Après on se faisait une guerre, c'était énorme, on se faisait carrément. Un truc de ouf, c'était vraiment vraiment sympa pour l'époque. En plus moi je trouvais ça vachement beau au niveau des graphismes, je suis sûr que je retourne maintenant c'est dégueulasse. Mais voilà, c'était pour l'époque, c'était franchement sympa. Donc voilà, sur quel support? C'est sur PC, sur le petit PC de bouse que j'avais à l'époque, PC familial en plus. Donc tous les week-ends dès que mes parents se barraient, hop, j'y allais. Je jouais genre une ou 2 heures par week-end, j'avais pas beaucoup de temps. Donc voilà, dès que je pouvais, je fonçais dessus et puis je jouais un peu tout ce qui traînait. Il y a des démos que j'ai fait archi. Enfin, plein de fois. Il y a la démo de Revolt aussi, petit jeu de voiture télécommandée que je vous parlais tout à l'heure. Je jouais beaucoup. J'avais beaucoup de CD démos en fait, parce que mon père il achetait des magazines où il y avait des démos, c'était PC jeux ou je sais plus quoi, joystick. Bref, je m'en souviens déjà plus. Et donc il gardait tous les CD et puis du coup, ben, moi je jouais un petit peu toutes les démos, je jouais, je rejouais, etc. Voilà. Vas-tu faire les concours, des concours, et que penses-tu des nouveaux jeux qui vont arriver prochainement? Alors des nouveaux concours, pourquoi pas, j'en ai déjà fait un pour faire gagner je sais plus trop quoi d'ailleurs, je crois que c'était un jeu sur PS3, je me souviens déjà plus. Mais pourquoi pas en refaire, pourquoi pas en refaire un de ces quatre. Après je sais que j'aime pas trop parce que ça crée des conflits, les gens ils sont pas trop d'accord, ou ils se demandent si c'est un concours bidon, machin. Moi, quand je fais un concours, c'est pour vraiment envoyer l'objet en question. Alors, c'est pour ça que j'évite de donner des trop gros lots, parce que sinon les gens vont se dire que c'est un concours tout bidon. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas des concours dans pas longtemps. Et qu'est-ce que tu penses des jeux qui vont arriver prochainement? Eh ben, il y a du lourd. Il y a du lourd pour les jeux qui vont arriver prochainement. C'est une question de Clash Killer, en fait. Hein. Les jeux qui vont arriver prochainement, il y a du lourd, j'attends énormément le prochain Uncharted. Après, je sais qu'il y a encore beaucoup de surprises qui vont arriver sur PS4 et sur Xbox One, hein, pourquoi pas. Donc voilà, j'attends avec impatience les années à venir. Mais je sais que chaque chose en son temps, déjà en cette fin d'année, il y a déjà pas mal de bons jeux qui sont prévus.
Ensuite, question de Warthog Sinshow. Aurais-tu peut-être à l'idée de faire un nouveau design sur ta chaîne? Alors oui, ben ça s'est fait en fait entre-temps, hein, entre le temps où j'ai posté ma vidéo annonce de fac et maintenant, bah, ça s'est fait chez mon collègue là. En fait, c'est un pote qui me fait un pote que j'ai connu au lycée qui me fait toutes mes miniatures, qui me fait aussi mes bannières, enfin tout ce qui est design, c'est lui qui le fait. Il me le fait gratuitement, voilà. Donc voilà, j'ai changé la bannière, j'ai changé le logo, l'intro, on l'a modifié il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, car ceux-ci sont pas très jolis. Ouais, c'est vrai que ça datait un peu. Et du coup là, on l'a un peu modernisé, on a mis les logos, etc. Voilà. Ensuite, Faustine Lemaire, ou Faustin Lemaire, je sais pas trop comment ça se prononce. Salut, je voudrais savoir si tu devais choisir un jeu et une console, lesquels ce serait la mise. Alors, c'est compliqué à dire. Parce que moi, encore une fois, c'est comme les youtubeurs. Il n'y en a pas un seul que je préfère. Il y en a plein. C'est par catégorie. Mais si vraiment, bon, si vraiment j'en avais un seul à retenir, moi j'aime les jeux où on peut faire ce qu'on veut, on peut foutre la merde, on est libre. C'est GTA. Tout simplement. GTA, j'ai toujours surkiffé. J'ai une petite préférence pour le 4 quand même, parce que le 5, j'aime pas trop leur méthode au niveau du multi. Pour avoir de l'argent, il faut jouer des heures et des heures, il faut farmer, il faut. J'aime pas trop. Le 5, j'ai pas passé beaucoup de temps en ligne. Je préférais le 4, où il n'y avait pas une question de thune tout le temps. Dès qu'on mourait, t'avais pas ta caisse qui partait au garage ou à la casse ou je ne sais où. Là, tu pouvais la récupérer de partout, t'avais pas de question d'argent. C'était plus le bordel, je trouvais le 4. Donc voilà, moi je préférais vraiment le 4 à l'époque. Même si le 5 est pas. Le 5 est excellent au niveau du solo. En fait, il faudrait prendre, pour moi, il faudrait prendre le solo du 5 et le multi du 4. Voilà. Alors ensuite, question de Yampar. Quel est ton jeu qui t'a le plus marqué, positivement ou négativement? Alors pour moi, le jeu qui m'a le plus marqué, je pourrais dire que c'est Uncharted 2 à l'époque. Franchement, c'était. J'avais pas joué au 1 en fait, j'ai commencé par le 2. Je me suis dit bon, ça a l'air sympa et tout, j'avais vu un petit peu les trailers et tout. Et au fur et à mesure d'y jouer, j'ai vraiment surkiffé cette licence. Pour moi, ça reste de toute façon le meilleur Uncharted de tous. Pour l'instant, tous ceux que j'ai fait, je les ai tous faits. J'ai fait le 1, le 2, le 3. J'ai fait celui sur Vita et je vais faire le 4. Et je vais refaire la collection qui regroupe les trois premiers sur PS4. Pour moi, ça reste le 2 le meilleur. Il y a vraiment, il est super varié, il y a plein de phases, les phases de tir sont excellentes et surtout le multijoueur, j'ai surkiffé. C'est l'un des multijoueurs où j'ai passé le plus de temps. Donc voilà, c'était le jeu qui m'a le plus marqué. C'est pas forcément une grosse surprise parce que bon, je savais que ça allait être du lourd. Mais franchement, c'est un des jeux où j'ai passé le plus de temps. J'ai adoré jouer en ligne, j'ai acheté les DLC des cartes. J'ai surkiffé le jeu. Voilà, j'ai surkiffé, c'est vraiment un jeu que je garde en mémoire. Avec Dirt 2 aussi, étant fan de rallye, j'ai surkiffé aussi Dirt 2. Mais c'est pas un jeu qui m'a plus marqué que ça. Mais voilà, je m'en souviens. Dirt 2 et Uncharted 2, c'était deux super jeux qui sont pas du tout pareils. On est bien d'accord, l'un c'est un jeu de course, l'un c'est un jeu à la troisième personne. C'est vraiment deux jeux voilà, qui sont marqués, je les retiendrai. D'ailleurs, j'attends un prochain Dirt. J'aimerais bien que Codemaster se bouge le cul pour nous sortir un nouveau Dirt. Alors, question de Adrien Gaming. Pourquoi tu joues pas au jeu What the Fuck? Alors, t'as dû mettre un tu en trop. Les jeux What the Fuck, ouais, j'en ai fait un, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait I Am Bread, j'ai fait le jeu de mouton là. Comment ça s'appelle? Je sais même plus comment il s'appelle. Je l'ai dans ma bibliothèque PS4, je vais regarder de suite. Goat Simulator, voilà, j'ai fait Goat Simulator. C'est marrant, mais je joue pas plus que ça parce qu'il n'y en a pas tant que ça en fait sur PS4 des jeux rigolos. C'est plus sur PC. Et sur PC, moi je ne joue pas. C'est une loi. Non, je ne joue pas parce que mon PC c'est un peu de la grosse merde pour jouer. Bon, j'ai un i5 en processeur, mais bon, ma carte graphique je suis pas, c'est un portable. Donc, et puis j'ai pas forcément envie de mettre l'argent pour acheter un nouveau PC pour jouer de temps en temps. Je suis vraiment joueur console. Donc voilà. Ensuite, Master Saturn, salut Alex, quel est le jeu que tu attends le plus? Moi perso, MGS5, The Phantom Pain. Ben, le jeu que j'attends le plus, comme j'ai dit, c'est Uncharted 4 l'année prochaine. Voilà. Quelle est ta nourriture préférée? Alors, bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'aime bien bouffer.
Je suis pas gros du tout, hein, bien au contraire, mais j'aime bien bien manger, c'est-à-dire que je fais moi-même ma pâtisserie, moi-même j'ai tendance à cuisiner, faire moi-même mes propres cheeseburgers. C'est pas pour ça aussi que je vais pas au McDo ou autre, que je vais pas dans des pizzerias ou des choses comme ça. Mais je pense ma nourriture préférée, je pense c'est vraiment la pizza. La pizza, je surkiffe. Un peu comme tout le monde en fait. Alors, encore une question de Dark Nator. Quel est ton style de musique? Alors, comme style de musique, j'aime bien à peu près tout, à part par le classique et le rap et le hard metal. Sinon, je touche à peu près à tout. J'aime bien le rock, j'aime bien la techno, j'aime bien l'électro. Mais la plupart du temps, c'est vrai que j'écoute Fun Radio les trois quarts du temps pour aller au travail ou revenir. Donc, Fun Radio, c'est plus du dance. Donc, j'écoute un peu ce qui mélange techno, électro, dance, un petit peu tout ce qui est le plus écouté en fait en ce moment. J'adore Avicii, j'aime bien David Guetta, j'aime bien, comment il s'appelle, Dimitri Vegas et Like Mike. Tout ce qui est un peu Tomorrowland, pour ceux qui connaissent, c'est un festival qui est en Belgique chaque année. Donc j'aime bien voilà, tous ces DJ-là, j'aime bien leur musique. Mais c'est pas pour ça que j'écoute pas du rock, j'adore par exemple AC/DC, j'adore des grands classiques. Qui sont vraiment top quoi, voilà. Et puis j'aime bien aussi souvent dans les films, je découvre beaucoup de musique et je me dis tiens, c'est quoi cette musique? J'ai une bonne mémoire en fait pour la musique, donc du coup je me dis tiens, dès que j'entends un son, qu'est-ce que c'est que ce son? Je le Shazam et hop, je chope le nom. Et puis à des fois, bon, j'arrive à m'en souvenir, et puis du coup je le remets sur mon téléphone ou sur ma clé USB que je relie à ma voiture pour directement écouter dans la voiture. Du coup, voilà, j'écoute un peu tout comme son. C'est ça qui est sympa. Alors, question de Devil Blake. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Eh ben, je l'ai dit, c'est le partage. Le fait de voir les autres partager, d'avoir envie à mon tour de partager aussi mon ressenti sur les vidéos. Qu'un jeu qui soit pourri, ben, qui ne soit pas acheté parce qu'il est pourri. Et qu'un jeu qui soit bien, et ben, qui mérite son succès. Voilà. 2. Et que tu préfères quoi, PS4 ou Xbox One? Alors bon, moi j'ai la PS4, donc je veux dire que pour l'instant j'ai que la PS4, je préfère la PS4, c'est vrai. La Xbox One, j'ai pas trop eu le temps, enfin j'ai pas trop eu l'occasion, je veux dire, de la tester, même si j'ai déjà eu l'occasion de la tester au Paris Games Week ou même à Micromania. Mais c'est dans mes plans de l'acheter, parce qu'il y a un jeu qui me tâte sur cette console, c'est Forza, je surkiffe Forza. J'ai jamais eu vraiment l'occasion de l'acheter sur 360 et là je me dis sur Xbox One c'est l'occasion, donc c'est sûr et à un moment donné je vais l'acheter, c'est sûr la Xbox One je vais l'acheter, voilà. Mais je garderai ma PS4 comme console principale parce que j'ai tous mes potes dessus, j'ai tous mes jeux dessus, voilà, y a tout dessus quasiment, et il y a mes licences préférées dessus aussi. Comptes-tu commencer des live streams Twitch et YouTube? Donc ça c'est une question de Yampar aussi. Alors ça c'est une très bonne question, j'aimerais bien les faire. Le problème, c'est qu'encore une fois, ma connexion montante, c'est-à-dire dans le sens où quand moi j'envoie une vidéo ou quand j'upload une vidéo, enfin une vidéo en direct, genre un Twitch ou un Ustream, ma qualité est dégueulasse. Pour vous donner un exemple, il faut regarder Rocket League. Vous verrez la qualité, à un moment donné, la vidéo elle s'arrête carrément. Il y a carrément une coupure, je n'avais même pas fait gaffe pendant l'enregistrement de Twitch. Tellement ma vidéo est dégueulasse, tellement ça coupe en fait. Donc du coup, je suis désolé pour la qualité. Et du coup, je peux pas faire de Twitch ou quoi que ce soit. Je suis en Wi-Fi et je peux pas faire autrement en plus chez moi. Pourtant, j'ai une bonne connexion quand je télécharge. J'ai du genre du 16-18 mégas, ça suffit. C'est amplement mégabits, hein, je parle. Donc c'est simplement bon. Je télécharge à 1 méga 7 à peu près. 1 méga 7 octets par seconde. 1 méga 7, 1 méga 8. J'ai même fait du 2 mégas par seconde il y a des fois. C'est exceptionnel. Mais par contre, quand j'upload, c'est dégueulasse, c'est horrible. Donc, j'attendrai d'avoir un appartement avec la fibre optique pour vous faire du Twitch ou du Ustream ou du YouTube direct qui arrivera dans la prochaine mise à jour de la PS4. Voilà. Alors, t'as combien de jeux et tu prends tes abonnés en ami? Ouais. Alors, j'ai combien de jeux? Question de Ridou du 92. J'ai combien de jeux? J'en ai pas mal. Je dirais au moins facile 300 sur PS3. J'en ai la dose. J'adore jouer à tout. Donc que ce soit de la merde, que ce soit des bons jeux, j'adore jouer à tout, me faire un avis sur tout.
J'en prête beaucoup aussi. Donc j'en ai pas mal. J'achète pas tout neuf, bien entendu, parce que ça coûte extrêmement cher. J'achète beaucoup d'occasions, beaucoup sur Internet, sur Amazon, il y a des très bons plans. Beaucoup pendant les soldes, beaucoup pendant les bons plans, la Fnac, les choses comme ça, ou bons plans Amazon, il y a souvent des très très bons prix. Les trois quarts de mes jeux, je les ai achetés aux alentours de 20 euros, pour vous dire. Donc, c'est pas se ruiner que d'acheter des jeux PS3, il faut juste choisir le bon moment pour les acheter. Il y a des jeux, ils ont une valeur, quand ils montent, il faut éviter de les acheter quand ils montent de prix, forcément. Et il y a des fois où ils sont oubliés, comme les FIFA. Les FIFA, moi, je les achète jamais quand ils sortent parce que je suis pas super fan des jeux de course, des jeux de foot. Du coup, j'achète l'année d'après parce que je sais très bien que l'année d'après, il est moitié moins cher. Donc là, le 16 vient de sortir, le FIFA 15, il va coûter 20-30 euros, même pas, quoi. Voilà. Donc du coup, j'achèterai sûrement. Et sur PS4, j'en ai pas mal. Je dois approcher de la cinquantaine facile. J'en ai pas mal aussi. T'as combien de jeux? Voilà. Et tu prends tes abonnés en ami. Ben, je sais pas trop comment interpréter si c'est une question ou quoi. Mais mes abonnés, pourquoi pas? S'ils sont sympas, qu'on parle sur Twitter et tout, qu'on joue, ben après ça peut devenir des potes, hein, pourquoi pas? Les trois quarts de mes potes, c'était des gens qui venaient de ma vidéo, enfin de YouTube. J'en ai même un. Par exemple, j'avais déjà fait, je crois. Non, j'ai pas encore fait de vidéo avec lui. C'est Spidey, il se reconnaîtra. Bah lui en fait il avait vu mes vidéos, il m'avait contacté et tout, et il était sur Annecy, et bah je lui ai dit bah tiens si tu veux on se fait un McDo ou un truc entre midi et deux. Du coup ben voilà on s'est rencontrés, on a discuté et tout, et du coup maintenant on est mis sur la Play, je lui prête des jeux, etc. Donc voilà, si vous êtes sur Annecy, pourquoi pas, contactez-moi, moi je peux éventuellement vous prêter des jeux, j'ai la voiture, on se fixe un rendez-vous et puis voilà, je vous prête des jeux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, Dark Nator, t'es merguez ou saucisse? Bah écoute, moi j'aime bien les deux, mais c'est drôle de question effectivement, qui aurait une drôle d'intonation. Et j'aime bien les deux, je me fais souvent des barbecues l'été, je surkiffe. Voilà. Ensuite, Adrien Gaming, je sais pas à combien de temps on est là, parce que ça commence à faire pas mal. Ouais, ça fait presque 1 heure, faut que je me dépêche là, parce qu'après. Il me reste encore quelques questions. Pourquoi tu joues pas aux jeux What the Fuck? Ben, ça, j'ai déjà répondu, je sais pas pourquoi la question revient. Salut Alex, pourquoi Dark Alex Lester et aimes-tu les manettes par un contrôleur? Alors, Dark Alex Lester, tout simple, parce que le Dark Alex est déjà pris par je sais pas qui. Et Dark Alex Tester, bah c'est le seul pseudo que j'ai trouvé qui collait bien et qui changeait pas trop du Dark Alex. Donc voilà. Aimes-tu les manettes par contrôleur? Et ben j'ai pas trop eu l'occasion de voir ces manettes. Donc moi je suis toujours en manette officielle sur les manettes PS4. J'ai toujours ma première Six Axis sur la PS3 pour vous dire, elle date hein, de ma PS3 40 Go de l'époque. Toujours la première manette, donc qui a même pas la vibration et elle marche encore et je m'en sers toujours. J'ai toujours gardé la même manette. Et sur PS4, c'est pareil, j'ai toujours ma première manette que j'ai eue avec ma PS4. Voilà. Quoique, non, je vous dis des conneries, je l'ai fait changer par Amazon parce qu'elle avait le problème du joystick qui se décollait. Donc, du coup, je l'ai fait changer et puis j'ai gardé cette manette-là. Voilà. Ensuite, question de Reichert Lou. Fac, tu habites où? Ben, je l'ai dit, pas loin d'Annecy, en Haute-Savoie, donc à 1 heure de la Suisse. 1 heure de Genève, en fait. Adrien Gaming, pourquoi tu fais pas des vidéos sur des jeux PC? Alors ben, j'ai répondu un petit peu sur PC, j'ai pas un PC qui est super performant. J'ai pas envie de mettre beaucoup d'argent dedans parce que je sais que ça coûte cher, il faut acheter des grosses cartes graphiques, des choses comme ça. Pour au final je vais faire 3 vidéos par an dessus parce que je joue pas sur PC les trois quarts du temps, je préfère jouer sur console parce que j'ai tous mes potes sur console. Et parce que sur console tu mets un jeu, ça marche direct, t'as pas de problème de compatibilité, de puissance, de machin, de trucs. Tu mets, ça marche, tout simplement. Et ça, c'est quand même vachement cool. Et franchement, sur PS4, on a une qualité qui est nettement améliorée par rapport à la PS3. Certes, c'est pas aussi beau que sur PC, mais ça suffit amplement. Ça passe super bien sur une télé. Donc voilà, pour l'instant, je reste sur console. As-tu déjà une console Xbox? Question de Maxence Lacoste. Alors oui, j'ai déjà la Xbox 360 qu'on m'a offert. J'ai déjà eu l'occasion de toute façon de la tester. J'avais testé la première Xbox à l'époque. Qui était vraiment sympa aussi, je pense qu'il faudrait que je m'en reprenne une Xbox, un de ces quatre.
pour jouer à l'époque, je jouais aux jeux WRC, les vrais, qui étaient faits par Sony, je crois bien, si je dis pas de conneries, donc voilà. Vas-tu faire des vidéos sur la nouvelle extension de Destiny? Alors Destiny, non, parce que j'aime pas trop, tout simplement, je suis pas super fan de Destiny. Donc j'aimais bien au début, et puis bon après, je trouvais que c'était ce genre de jeu où faut refaire tout le temps les mêmes missions pour avoir de l'XP, ça m'amuse pas. Franchement, ça m'amuse pas, donc la nouvelle extension, non, je l'ai pas acheté. Ensuite, il a rajouté une question. Quel est ton sport préféré? Ben ça, je l'ai dit juste avant, je ne me répéterai pas. Voilà. C'est ping-pong. Voilà. Ensuite, bah Adrien Gaming, encore une fois, tu peux faire des jeux sur Xbox One. Et ben, je pense que ça va venir d'ici la fin de l'année. Si je renouvelle pas mon matériel, j'ai prévu de renouveler ma télé et d'organiser un peu plus mon salon, enfin mon salon, ma pièce, ma chambre en fait, là où je filme. Si je renouvelle pas ma télé, je pense que j'aurai un petit peu d'argent de côté pour m'acheter une Xbox One. Et à ce moment-là, bah, je vous ferai des vidéos dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, au final, c'est à peu près tout pour cette fois en question. J'aurais pas eu tant de questions, mais c'est tant mieux. Au moins, on y est déjà passé une bonne heure pour les quelques questions que j'avais. Je referai peut-être une fac, un de ces quatre. En attendant, bah, vous savez que vous pouvez me suivre sur Twitter. Je ferai de toute façon des annonces systématiquement quand je ferai des jeux à plusieurs, quand j'aurai envie d'en faire à plusieurs, donc quasiment tout le temps. Et à ce moment-là, bah, vous avez juste à répondre à mon tweet sur Facebook ou sur Twitter. J'ai une page aussi sur Facebook. Et à ce moment-là, bah, vous pouvez participer. Je vous répondrai directement. Je suis super actif sur Twitter. J'y suis tout le temps. Donc voilà, si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas. Twitter. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, eh ben, je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles vidéos. Il y en a pas mal qui arrivent. Allez, salut tout le monde. Ciao.